Merci la fidélité Nabino na CML 13 télévision direct à Kinshasa capitale et RDC vendredi 19 novembre 2021. Merci pour la cinquième numéro Oboza Ebélé spécialement à République Sud-Africaine Oboza ko capté biso à l'instant. Breaking news pour na lelo d'abord cette bonne nouvelle pour na ba élève accord protocole d'accord est finalement signé entre FIFA via FECOFA na République démocratique du Congo pour la Ligue en le coup d'envoi officiel, il y a championnat scolaire panafricain et commanda lobby samedi 20 novembre à Nangonga 10h na stade municipal Paul Bonga Bonga et zomi la commune Yabarumbu. Alors championnat wana et réuni pratiquement 240 écoles et ekozwa au total 63 840 élèves bako participer un championnat scolaire Oyo Ekosalema. Évidemment, c'est très important parce que l'Union va permettre à Penabana et classe, à Kota Makambouana, il y a football, et qu'on développe Bango Esprit, il y a respect à ma règle, il y a discipline personnelle, il y a émulation, compétition. Alors, accord Wana, ils avaient été signés depuis mois d'avril dernier, mais à l'époque, Constant Maria Zakina Nomo Kondi ya FECOFA a signé qui Yango Amos Mbayozaki ministre à sport à l'époque ba signé qui Elongo na FIFA secrétaire général na Bangazaki awa pona ko partiser ko formaliser likambona et maintenant lobby samedi ba école ba na classe ba kokutana na 10h na terrain municipal ya commune Barumbo et là ça pose un sérieux problème ya ba terrain municipaux pratiquement na ba commune na Bisoyo 24 parce que ba terrain mingi et comment autre chose ba teka yango soit ba tubatongi soit te comment makamususu nakati alors bana ba jeune ba comment na difficulté à s'exercer difficulté à kozwata na bango ya loisir même na ba école il y a des écoles aujourd'hui eza agréé mais baza même pas na cours baza même pas na terrain oyo na récréation bana ba ko s'entraîner et donc je crois que avec ces championnats eza interpellatif oyo kotinga da ba konzina biso bata là pour na ko relancer likambo ba terrain municipaux par exemple en Lingwala terrain comète et ça pratiquement la disparition terrain appel Z et ça pratiquement l'issue opérationnalité alors voilà déjà et ça interpellation pour la Bakondi il y a République démocratique du Congo dans toutes les 26 provinces Mike Mukebai a joué remise Kino le 28 novembre de Bakozonga na parquet pour na ko koba dossier Oyo ben invita qui est alors ben invita qui est selon dengue to contacter na téléphone à lobby et ça gentil ngobila mutaza sima il y a invitation là il y a parquet donc yende aza plaignant yende a fundi boebi que depuis mois de mai Mike Mukebai a été visé par 4 plaintes, notamment par Gentil Ngobila, gouverneur, mais aussi quelques-uns de ses collaborateurs, dont directeur de cabinet, peut charger. Il y a communication, imputation, diffamation, tout ça. Il y a un gros bandeau qui a looké la Mike Mukebai. Et puis, dans le mois de mai, je crois que j'y ai, l'Angola qui a immunité en tant que député provincial élu à Kinshasa Lingwala. Alors, couloir Wana et là, qui m'a mouqué, et Mike Mukebai finalement. Baye ko la Moussengo, lobby avocat naya kendaki, baye bisiye, baye réussi pour obtenir Kino le 28 novembre, donc 10 jours, de Bakozonga, pour nako solola, makambouana. Alors, yazomou na loko la kolongo na yena union sacrée, ne komi ko bote la kaye, ba problème, tokoye ba yengo nenge dossier. Et qu'on évolue. Désormais, ceux qui m'ont tout ont mal stationné la boulevard du 30 juin, Silvano Kasongo, général, il y a la police, Sakoya, Koto Kaengo, Bakenango, na Fourrière. Alors, on a déjà lobby à partir à Avenue Mondjiba, pratiquement tout le long, il y a boulevard du 30 juin. Mais seulement, le problème est que lobby Massa, c'est lié au Beta, Liboso, il y a cimetière et il y a Gombe parce que police et yaki, ba toki moutouka et moutoumoko, jeep moko, nzoka, azalaki, na ba connexion na ye, a bengi na téléphone, ba namour a ba ye, plus la police, alors y kreye ki moua tension, ma sasi, ba koum koko tse dja ba bal na chambre, alors ezalaki na moua fièvre, lobby na niveau y a cimetière de la Gombe. Il y a encore un autre problème, il y a le parking, c'est vrai, Kolongolami Touka, Kobo et Ango Télémana chaussée, mais Bakoche Ango Wapi parce que le parking est composé de problèmes dans la ville, il y a Kinshasa.
lobi samedi 17 communes ya Kinshasa quelques quartiers ba rozana maite za communiqué ya régie des eaux ba za ko bongisa tuyo moko au niveau ya échangeur ya limité pepo matete alors communiqué oyo eza signé la directeur provincial de la régie des eaux Jean Bosco Mwaka a lobi que commune lokola Masina aéroport ya Njili commune ya Njili Kimbanseke Kisenso Matete limité Lemba Ngaba Makala Unikin Kindele, Selemba, Ubumbu, Mongafula, Ngiringiri, Kalamu, Kasavubu, Kinshasa, pe commune ya Gombe, Barozana mwa promi ya mai de 8h. Alors, précaution, ezali, moutou na moutou, aluka moyen. Il y a comme ça la provision, il y a maï pour que maï kozonga kaka soki ba travaux en essili donc et gros ça la probablement les après-midi ou na pourquoi alors essengeli mutamba ça la stock naye il y a maï pour na ko éviter que ça la surprise donc communiqué ça déjà et annoncé depuis longtemps alors ezako pour na ko préparer ba tout lobby samedi maï ekokatana na 17 communes pe quelques sites autres outils kotanga awa. Article moko ebimi balobi bazoluka journaliste moko komba journaliste wana Gauthier Sey. Gauthier Sey balobi a yibi $600,000 ya CNSS, je crois Caisse nationale ya sécurité sociale ex INSS. Alors bazoluka Gauthier Sey na $600,000 oyo ye a yibi. Alors finalement to outi ko joindre ye na tongo alobi a simbi $600,000 te a yibi yango pété a yibi makambo wana te. En fait, tout le problème, ils n'ont même pas tiné Koloba avis de recherche parce que Gauthier Sey est un journaliste, mon condition éthique news, siège Nango, ils ont la galerie présidentielle. Donc, ils sont comme la galerie présidentielle, deuxième niveau, la Talamina, Peter Tiani, Perfect Télévision. Donc, Azam Moutouya a lancé avis de recherche, c'était à l'objet de $600,000, il n'y a pas bien Gauthier Sey dans l'aventure par rapport à l'article Wana, Azam a besoin de répondre à ma. Fundawanate simplement ma belle Gauthier Zawapi a comment qui article moko titre nango par exemple du rififi dans la gestion il y a Simon Fouti Oeza directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale alobi gestion est catastrophique ma belle Zamakasi na essai li ya musala alors il peut pas préparer cartouche ma bété li gamba $600,000 donc Gauthier aza vivant a kimité aza wana Kinshasa asi ala muki azoya bureau na ye na galerie présidentielle alors ceux qui batoua INSS ba monika aza na $600,000 na bango ba kende koluka ye na galerie présidentielle ye moka lobi ceux qui plaignent ezali ba déposer ango en bonne et due forme et ba kokende kosamba ndenge esengeli voilà les quelques informations oyo tozana ango ya kopesa na bino na breaking news yango wana. Donald Kabasse biaza na biso elongo aza moko ya UDPS juriste aussi maître Donald Mbote. Mbote de Kojak Mbote pe na balandi na biso nyoso ya magazine mene Mbote pe plus particulièrement à l'honorable Peter Kazadi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je tiens vraiment par votre micro de souhaiter toutes les bonnes choses du monde à Maître Peter Kazadi, qui est un cadre de notre parti, l'UDPS, et qui aussi est mon patron de cabinet ou mon patron des stages au niveau du barreau. Ok. Voilà. Joyeux anniversaire à Maître Peter Kazadi. Toujours, c'est la paix. Notre juriste à Koya, Jeff Kankou, Yann Nochek, à Corrégion de Bissou Awa, pour nous échanger ensemble à Zananzela. Quels sont les signes de réussite, les signes d'échec, il y a régime, il y a Félix Tshisekedi, 3 ans déjà, budget Oyo, député validé, lobby d'assemblée, et Kokende Kino, septembre 2022. Alors, tant que vous avez un budget Moussousou et vous avez une ligne rouge, Oyo, il y a 2023, ça sera donc fini pour 5 ans, il y a Félix Tshisekedi. Alors, et le connu ne simbi, et le connu ne simbité, quels sont les signaux, eux ont sa faiblesse, eux ont sa cœur. Non, Salim Moussa Nabango, Malamou, on en parle justement, on a invité Nabisso. Maître Donald, Tozo Bandana Yo, est-ce qu'on peut dire, parce que vous avez eu des pèses, que vous êtes conscient que tant ils ont qu'un vous consommez déjà pratiquement la moitié, il y a mandat. Oui, ça, effectivement, d'abord, il y a Liboso, c'est justement qu'on remercie Onano pour l'invitation. Très sincèrement, le temps est peut-être notre principal ennemi.
Rébi, pour un pays comme la RDC, la place où la RDC est allée, quand on vous donne 5 ans pour nous correspondre à la désidérata et à peuple wana, c'est vrai, c'est une convention constitutionnelle, mais c'est un fait aussi que c'est un problème, le temps. Mais dans le peu de temps, on peut, parce que au moins cette émission est qu'on permettre Bisso en toute franchise, Koloba. Qu'est-ce que nous, nous pensons que ça marchait? Où est-ce qu'il y a eu de couac? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que Mokonzemboka a demandé déjà un deuxième mandat au peuple congolais. Il a dit qu'il sera candidat pour 2023. Ça voudrait dire qu'il y a un nombre de choses où il y a sali, mais il se rend compte que dans les 5 ans, je n'ai pas pu peut-être arriver. Voilà, j'ai besoin de 5 ans. Pourquoi je le dis? Je vais vous donner un exemple, ça va paraître un peu banal. Vous voyez, un immeuble, prenons un immeuble comme l'hôtel du gouvernement. Pour celui qui a cet immeuble, ce que je suis gestionnaire au lobby, bon, gestionnaire à ça même un mois, à Tikela Muninga, ça va passer parce que les alibas actes et administration d'art opposé. Il peut venir à Sali un mois naé, à l'homme, Moussousako Kota, l'immeuble du gouvernement là, l'hôtel du gouvernement là va rester intact. Peut-être moi ma peinture, moi ça là ma vitre, ainsi de suite. Mais si vous donnez à quelqu'un l'oupan où il y a hôtel du fleuve, sans hôtel, sans plutôt hôtel du gouvernement, vous lui dites que tu dois construire l'hôtel du gouvernement. Ce que le lobby n'a battu en abazouaka, un mois, bâti kelanaka, tu risques de faire 100 ans au monnaie en pété. Ça, c'est aussi un fait. Ça veut dire que le temps dans ce que notre République connaît, joue un rôle très prépondérant. Mais par rapport à Oyabusso, j'étais en train de vous le dire, Naoki question Nayo, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Justement, de comment quoi le bien en politique, un échec survient rarement comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Sachez détecter les signes qui l'annoncent avant qu'il ne soit trop tard. À l'obi que échec ils ont la cambala cacaté et la brusqueté, mais ils ont toujours na moi bah ils ont clignoté comme pour alerter bino que na zoya malin malinbe. Est-ce que na nenge bozo salamusala vous êtes rendu compte il y a bamba difficulté beaucoup de nengo? Est-ce que quelque part ça clignotait? Est-ce que vous êtes conscient que tant d'abusos qui na souka? Vous savez, quand vous êtes opposant, quand vous voulez accéder au pouvoir, aux ana conception moussousou, il y a gestion des choses publiques. Nous critiquions, nous faisions tout ça, ça c'était aussi une étape. Mais là, aux côtés à pouvoir pour l'exercer, cette fois-là, tu as des réalités en face. Là. Tu as des secrets. La malobanayo, ça me permet justement de comprendre mode opératoire et mon opposant. En fait, l'UDPS veut nous dire, parce que vous avez fille née opposition, vous avez une expérience il y a plus de 3 décennies, un opposant n'a jamais ma réalité en face. C'est-à-dire, à l'obaga dans le vide, à Zana Makamboué en face, c'est par rapport à Moutazan à pouvoir. C'est ça. Non, en fait, ça c'est vrai. Soit ma Ezali sincérité. C'est-à-dire que pour les opposants, à moins pour n'a pas eu, bas là déjà aux affaires, bas l'oumoué affaire, bas ça y opposition, bas on nous a peut-être bas on aux affaires. Ceux-là, par exemple, comme Kabila, par exemple, il a été président, il quitte, il devient opposant. Quand il fait des démarches pour la raison, certainement qu'il a une perception claire de ce qui se passe, ça c'est sûr. Mais pour des gens qui ont accepté, comme Bissot, de faire durant 7 ans, et de dire que jusqu'au jour où nous obtiendrons par des voies démocratiques pouvoir pour notre exercer en haut, eh bien, certainement, entre nous, il y en a de ceux-là, comme Kondo Etienne Tshisekedi, il y a gestion, il y a choses publiques, il savait parce qu'il était ministre, DG, il est même premier ministre, ainsi de suite, plusieurs fois, il avait une image. Mais pour les autres qui n'ont jamais eu cette expérience, il faut reconnaître qu'entrer dans cette fonction-là, du président gérer un pays comme la RDC,
il y a d'autres réalités que vous verrez en face. Ça ne veut pas dire que Batouba est imité. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas compétents. Ça, mais ça veut simplement dire qu'il y a des réalités pour lesquelles, même quand vous gérez la chose publique, vous n'êtes même pas appelé à y accoter les manas la télévision. Il y a d'autres des secrets d'État, vous les avez en face, vous devriez faire avec. C'est un aveu sincère. Oui. Vous voulez dire qu'on a critiqué à tort, UDPS a critiqué à tort, oui. Régime m'a passé. Pas du tout. L'UDPS, nous nous sommes rendus compte que, c'est même ça la prouesse de l'UDPS, nous nous sommes rendus compte que nous critiquions sans être là. Mmh. Et quand on arrive là, on se rend effectivement compte qu'on avait raison de critiquer. N'appelle ce exemple. Nous arrivons au pouvoir. Nous trouvons qu'il y a des exilés politiques. On trouve que l'espace politique n'est pas décrispé. L'espace politique est crispé. Il y a des suivis par-ci, par-là. On arrête des gens à gauche, à droite. Les autres sont forcés en exil. Les autres sont soit condamnés dans des procès bidons et tout ça. Les autres croupissent à la mer. Bamoussoussou, Bazali Kounana, comment on l'appelle, Nabadéniap, tout ça. Voyez-vous, nous trouvons tout ça. Mais est-ce que cette réalité-là, ne pouvait pas permettre au pouvoir de l'époque de dire ce sont des Congolais, il fallait des crispés, il fallait qu'ils reviennent au pays. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui se plaignent pour ça. Oh, on m'a forcé à l'exil. Il n'y en a pas. On m'a créé un procès bidon. Il n'y en a pas. Mais maintenant, tout ça, par exemple. C'est là, maintenant, tout qui m'a l'aimé, Jeff Kankwa, région de Bissau déjà. Oui. Alors, tant que nous sommes le backer, opposition, tout ça, tout ça qui est la réalité en face, c'est maintenant que nous avons le pouvoir, c'est vraiment sincère. Tout le monde a été table, Oyo, Eza Pembe. Alors, expliquez-nous sur le secteur, un exemple juste. Oui. Le monde qui est l'ancien régime, le critique qui paye en gros, le monde aussi des volants, vous sentez que, et l'autre, on se doit sentir, il n'y a pas de sentir en avant, par exemple. Par exemple, parlons de la question de l'Est du pays. Sécurité. La gestion sécuritaire de l'Est du pays. Vous savez, quand on est là, on peut dire, il y a nos frères qui meurent à l'Est, qu'est-ce que les autres ont fait et tout ça. Mais il y a un problème. Non, pas un responsable de l'UDPS. Je veux qu'on se soumette à un exercice. Okay. Exercice où il y a bas, donc des gens, des élites qui parlent leur pays, qui parlent leur État, qui disent sincèrement des choses pour qu'on se comprenne. Okay. C'est-à-dire que la perception que tous les Congolais a de la question de l'Est, quand vous affrontez la réalité en face de vous, vous vous rendez compte que il n'y a pas que ces acteurs visibles, il n'y a pas que ces groupes rebelles, il n'y a pas que ces militaires que nous voyons, il n'y a pas que les Rwandais qu'on pointe, il n'y a pas que l'Ouganda qu'on pointe. Mais derrière, il y a des gens, il y a des financiers, il y a tout ça. Vous vous rendez compte que, bon, nous sommes dans une guerre, ça fait plus de 2 décennies. Comment voulez-vous que nous sommes dans cette guerre? Les Nations Unies connaissent que nous sommes dans cette guerre, ils nous mettent sous embargo militaire. Comment ils ne peuvent pas permettre à la RDC d'acheter des armes? Vous vous posez des questions. Est-ce que c'est complice ou ce n'est pas complice? Voyez-vous? Par exemple... Il y a eu un problème dans la gestion. Par exemple, je vais te dire ce sur quoi on reproche Kabila, sur la question de l'Est. Il y a des militaires, il y avait un problème d'effectif à l'Est. Ils avaient toutes les données pour savoir que l'effectif qui est payé n'est pas l'effectif qui est sur terrain. Ils n'ont rien fait. Nous sommes venus, il n'y a que 2 ans, on a corrigé cette situation. L'effectif, on les a extirpés. On peut être sûr que quand le militaire, c'est 10 millions, effectivement, il y a autant de militaires sur terrain qui se battent, par exemple. Est-ce que quand on donne la solde pour l'armée, on donne des vivres, des ravitaillements, est-ce que le régime passé ne savait pas que cette solde a été détournée? Est-ce qu'ils ne savent pas que ces ravitaillements n'arrivaient pas? Est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y avait des officiers de l'armée qui vendaient des munitions
aux rebelles. Est-ce qu'ils ne savaient pas que dans l'armée, il y avait des gens qui étaient... Mais non, nous avons découvert ça, par exemple. Merci, maître. Alors, Jeff Kankou, maître Jeff Komelibiso, ça pourrait être excusé parce que le problème Yanzela et s'est posé. Alors, UDPS a eu le pouvoir, pour ne pas dire Félix Tshisekedi en 2018, à l'issue à l'élection et Salimaki. Il y a une alternance, donc va se constituer le col alternative par rapport à l'ancien régime de Joseph Kabila. Alors, on a 3 ans déjà, Moula Misato, Otozako Kende, tant que Zotala, Bokonzi, UDPS, l'autre Félix Tshisekedi, aux hommes qui effectivement, il y a une pièce de rechange par rapport à l'ancien régime. Merci d'abord pour l'invitation. On a participé à notre confrère Donald. Merci. Tokutani Soussoulelo à la plateau. Et on a présenté ma excuse dans les téléspectateurs, on se voit dans la mission pour un retard, indépendamment de ma bonne volonté de venir à temps. Embouteillage, je m'en disais la mission, je vais aller la mission, donc c'est vraiment catastrophique. On a eu l'eau, on a dit les associés. Donc c'est regrettable. Quand on a eu l'eau, il a fait ses alternatives, je regrette. Je voulais aussi que le confrère en aille en face à l'eau, non, voilà, nous, tant que tu es, tu es commis, tu es moniqué, guerre, et là qui vraiment. Piloté dans Maboko ya Ndeko Joseph Kabila. Parce que vous vous rappellerez, quand l'UDPS était dans l'opposition, il nous disait à tout moment c'est Kabila qui est derrière les tueries qui se passent à l'est du pays. Sans cesse, au Koyeba, que même le chef de l'État actuel a tweeté plusieurs fois le bi, on en a marre, on a battu les réseaux les Kana Est, et ce sont des Rwandais pilotés par le régime en place, Ndebazali Kosala, que le loyo, Bandeko Nabiso Est, Baibana Kokoufa. Mais je suis surpris aujourd'hui d'entendre na bouche ya Ndeko Nanga ya UDPS dire non, voilà, guerre aux Zalaki Nango, Zalaki dit na ba complicité moko boy ba menoir moko boy. Donc azo dédouaner le lo Kabila, c'est une bonne chose pour la peuple na biso ba que quand on dit toujours que le pays n'est pas géré aujourd'hui, l'UDPS n'était pas prêt pour gérer le pays. Donc il faut pas dire que l'UDPS n'était pas préparé. Parce que toujours constater que le l'UDPS fait face, il y a échec moko patente. Il n'arrive même pas à résoudre même de petits problèmes. Oh, il y a population qui a causé la nabango. Aujourd'hui, nous avons l'état des sièges. Problème le problème le rôle par exemple, le problème, il y a insécurité aux Anaest. On pensait que le chef de l'État, en mettant l'état des sièges, a causé la capacité à résoudre la question. On a. Mais les lois ont promettre à il y a Sud qui vous, il y a Nord qui vous. Alors, il y a un peu de mettre main sur le bazali ba hauteur. Il y a un crime qui est dans le Canada Est et il y a un Boka. Il y a un peu de temps pour que vous répondre à la bataille devant la justice. Mais je me suis posé la question. Depuis le 3 mai 2021, au chef de l'État, il y a une ordonnance mettant l'état des sièges. Donc, jusqu'à preuve du contraire, l'état des sièges n'a pas encore produit ses résultats. Donc, bato baza kokufana est, bakoye baga kozela, bazela na 12e prorogation, d'ici koye bazo e badnam ko détecté, tenez na zali auteur ya massacre de koleka na est ya pays. Moi je pensais que l'IDPS allait résoudre cette question, parce qu'en opposition, l'IDPS venait qu'on critiquait le pouvoir en place, qu'il était incapable de résoudre cette question de l'insécurité. Mais aujourd'hui, vous êtes à la machine. Vous posez toujours, vous posez toujours ma raison moro fallacieuse, ma raison moro bidon, ma raison moro tenir debout, l'effectif, l'effectif. Est-ce que dans ces pays nous manquons des hommes? Vous vous rappellerez qu'à l'interview du chef de l'État, à l'Obaki Kakouti, armée moko bien assise. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire le chef de l'État a hérité une armée capable d'affronter les combats, la guerre et tout. Parce que vous vous rappellerez aussi que l'armée d'Abissou Zalaki comptait parmi les 10 meilleures armées en Afrique. Oh, de Joseph Kabila, Tchaki, mais le nom armée d'Abissou Kiti. C'est-à-dire que l'état des sièges au chef de l'État à Tchaki pour résoudre la question, il y a insécurité dans l'Est, il y a Mboka, a évoqué qu'on a précaution nous sauter. A évoqué qu'on a nous état nous sauter, qu'on a même évaluation, qu'on a maintenant une mesure, une stratégie, plutôt, à y qu'à mettre en place effectif dans l'unifala. La capacité ni à minou quoi il fallait tous en amour pour vendre que bas diversion bas en force d'abisso bas nous n'y sommes pas ça n'a type d'armes ni ni bas ça n'a la capacité bas la capacité numérique ni mais c'est bien comme ça la stratégie nous sommes à tête tous à qui car en chef de l'état et bas aux aucun à boulot et casu à tient état de siège. Mais aujourd'hui nous en payons
bande de corruption là c'est bazo payer nini irresponsabilité on a il y a IDPS aujourd'hui la gestion en boka parce qu'on n'arrive même pas à résoudre cette question aujourd'hui tous on est question moko mukende le problème social est-ce que peuple le lo na pouvoir na régime ya IDPS yo na 3 ans yo est-ce que peuple s'est retrouvé. Est-ce que le peuple s'est retrouvé vraiment dans la société? Est-ce que les Congolais ont vraiment dans la société? Est-ce que Kitunga maman ménagère? Est-ce qu'ils allaient vraiment remplir? Merci. Donc aujourd'hui, on pensait que l'UDPS pouvait résoudre le problème social étant parti socialiste, mais échoué. Ils doivent accepter cela. Alors, Maître Donald, est-ce que le lot de Koloba, oui, Kabila Kéhi, UDPS, ça y est, nous en sommes fiers, Ndenge Bino Boye. Et l'eau qu'on n'y au bino sali au peut-être Kabila à quoi que ça la tête à télé n'y a zota la bino n'y a zota en 3 ans ou et c'est mais voilà ce que nous avons fait au lieu de ce qu'on salate. Est-ce que vous avez un solo alternative pour la régime naï? Oui, nous sommes une alternative. Bon, depuis un moment, je ne me soumets plus à l'exercice et à la polémique, c'est-à-dire est-ce que parce que je sais bien le faire, mais moi je pense que. Qui peut élever débat pour tout sur la marabout. Non, je vais d'abord répondre à notre ami. Mon frère, c'est une honte de parler au nom de votre régime et de faire ce que tu fais devant ce plateau. Aujourd'hui, tout n'a bissou. Ce qui, dans 2 ans, nous avons fait quoi? Vous avez déjà 3 ans. S'il te plaît, 3 ans, même 4 ans, même 5 ans. Dans 5 ans, même 6 ans, on a fait quoi? Pendant 18 ans, vous avez fait quoi de l'Est? Pendant 18 ans, vous avez fait quoi de l'Est? Nous, on devait hériter d'un pays pacifié. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous nous posez la question, c'est bien, 2 ans, 3 ans, mais 18 ans, vous avez fait quoi? Qui a amené le Rwandais ici? N'est-ce pas votre régime? Qui a amené l'AFDEL jusqu'ici? Joseph Kabila et son père nous aident. Et c'est la continuité jusqu'aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas. Vous savez, il faut vous sentir un peu malaisé de parler de ces questions. Vous dites c'est un problème, notre armée était comme si à votre époque, vous avez fini la guerre à l'Est. Vous n'avez pas fini la guerre. Nous avons trouvé plus de 80 villages congolais. On est des rebelles. On en a récupéré tout. On a récupéré tous les villages. Tous les bastions rebelles sont récupérés en 2 ans. Vous parlez des militaires, de leur effectif, vous parlez de l'Est, vous parlez. Non, vous ne pouvez pas parler. FCC, vous parlez de l'Est, c'est impossible. Donc, ayez l'humilité de nous observer faire. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pendant 18 ans que vous pensez faire dans 5 ans? Laissez les autres parler, pas vous. Pas vous. C'est une hypothèse, ça peut ne pas venir. Tombo s'en a 5 ans, Moussous. Tout travaillant en fonction à 5 ans, et ça m'a dit depuis 2018. Vous pensez que même les autres qui ont des compteurs, Boina Soukanango, Boroko Bima, Moutou Likolo, parce que moitié déjà Bossi Bolié, enfin, on a fait ce qu'on pouvait faire. Je vais vous dire une chose, M. Jacques. Vous savez, quand nous arrivons, ce n'est pas l'impression que ces gens du FCC nous ont donné. Mais presque tout l'Est était en main de rebelles. Plus de 170 groupes rebelles. Plus de 170 groupes. Des villages entiers Bazoui, Namabouko ma rebelle. État de siège, parce qu'on parle de ça. C'est une solution. Aujourd'hui, tous ces bastions rebelles sont en main des FRDC. Les loups aux journalistes à mon aide. Bazo Lobela, groupe rebelle. Les loups au Lobela, ADF. Tout le Bela Bagomino au Babimaki Mouke, Bazongi. Tout le Bela Naba, comment le troisième groupe là. Ça reste des principaux groupes. Pourquoi? Parce que tous les groupes rebelles ont été poussés à la dissuasion la plus complète. On ne parle plus que des ADF. On ne parle plus des Gomino. Ça, c'est d'ailleurs une disparition. On les a attaqués, ils sont rentrés. Ils veulent dire que, à l'époque de Kabila, c'était mieux. Maintenant, mais monsieur, on compte 6 millions de morts. Plus même. Mais 6 millions, on est continué à pouvoir à banane. Il y a binoté.
Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Lelo. Vous êtes un journaliste, Nabino Moko, à Kendaki Est. C'est d'ailleurs, je salue Israël Mutombo. Il est au front. À Kenya, bas militaire, bas là qui s'aille. Talanengeza là qui t'a. Suivez son reportage. C'est de prouesse. Il y a des gens, tu yébi que ils en abattent. Que ça soit dans le rang de l'armée, pendant l'époque Nabango. Azo le baron, tu as un problème, il faut pas qu'on abat député. C'est bien de le dire. Quand l'abatto baza complice. Donc, bino pendant 18 ans. Bon, il va quitter le bateau à la bazali. L'armée, détournement à la sol, détournement à la ravitaillement. Qu'est-ce que vous en avez fait? Voilà. Impunité totale. Maître Donao Lobakiango. Alors, Maître Jeff Kankou, est-ce que vous avez que problème il y a régime et que vous avez problème est tombé pratiquement à travers de il y a manager ou à travers du manager, un chef pratiquement tout puissant, c'est lui qui a la réponse à tout, qui décide seul. Est-ce que vous avez l'impression, parce que vous avez une expérience ou un an pour avoir géré même les gouvernances à mener à la même oisasikoyo, est-ce que tu sais que les oyo kabatu, est-ce que le dito n'a les oyo kaba collaborateur et oyo quand même ma partenaire extérieur? Bon, d'abord, il y a un répliqué dans le déconne. Attends, Zolo, qui est Zala qui prise dans ma bête, dans ma boko ya. Tout ça, la focus na est Zala dans mon bête. Spézé Bélé. Pour ne pas dire que ce qui est Zala qui est totalement en insécurité, ce n'est pas approuvé sur ce plateau, élection, il y a qui est Zala, les Canaës, c'est un bon côté. C'est pas possible. Vous rappellerez que l'élection Salama Kikuna, c'est-à-dire, il y avait une partie, il y a est Zala qui prise, mais une partie Zala qui sous contrôle, il y a Armé Nabisso. Azolo Baké, Kabila tique plus de 173 groupes armés. Mais mon frère, c'est du mensonge. Renseigne-toi. Kabila n'a beaucoup tiki pas plus de 50 groupes armés dans l'Est. Oui. Oui, Kabila n'a pas laissé plus de 50 groupes armés. Parce que dans mon moment, il a déjà exterminé déjà ma groupe armé de l'eau. Puis ma groupe armé de l'eau M23 est surjour de l'eau. Et ça va qui soutient dans mon moment Kabila. Kabila a commettre fait dans le groupe il y a M23. Le lot baraya tomboki, na bouka vous le lot insécurité, ça presque partout dans mon cas. Tombe de cause que est le lot, ils ont pacifié. Non, mais c'est du mensonge. Bandeko bala na biso na est bako kama mambozo loba. Est c'est totalement pacifié aujourd'hui l'insécurité bat son plan. Répondre à la question comme ça tu évolues les travers du manager, est-ce que finalement vous pensez que leadership Tshisekedi et ça différent de leadership il y a ancien régime, est-ce que bazoyoka, est-ce que baza ouvert? Bon, par rapport à leadership obi na en termes de leadership mutlam tazala na ndenge na azoko kambela makamba. Joseph Kabila avait sa méthodologie où il faut totalement différent na oyo yande ko Tshisekedi parce que ce sont des personnes différentes. Mais la source il y a réussite et échec. Et cause à la source il y a échec toi avec Joseph Kabila zakina méthodologie na zaki plus beaucoup na silence. Vous vous rappellerez que Joseph Kabila n'était pas quelqu'un qui s'est livré trop na ba média na koloba n'importe quoi na ko promettre trop le ko lande ko Félix a ko sala lelo koloba me ko sala te. Joseph Kabila était toujours pratique tant en lobby likambu tant peut-être en lobby te bon na mbala moko sa nini à réagir. Donc il faut ça la totalement différente. Par rapport à la question, donc on a seulement été que Togo va comparer leadership. Il y a Joseph Kabila, na leadership. Il y a Neko Tshisekedi parce que ce sont deux personnes différentes. Alors, Donald, est-ce que Tshisekedi a tombé à travers du manager tout puissant, celui qui décide seul? Bah, il y a que 100 jours, il y a un problème à foncer dans un gros et beau résultat et gratuité enseignement. Bah, lobby et beau résultat ou et beau bah, lobby, l'ikamouchi, les gelous, je sais pas moi, il y a beaucoup de projets par rapport à ça. Est-ce que c'est un président qui écoute? Est-ce que c'est un président tant que tu as un enseignant, un partenaire catholique et protestant, est-ce qu'il entend? C'est un chef regardant. Je veux faire la différence parce que dès que je suis tu sais qu'il dit est regardant, il est vigilant. C'est un chef attentif. C'est un chef qui est démocrate. C'est différent. Très différent. Vous savez, à l'époque de Joseph Kabila, parce qu'on parle, il y a un de ses représentants en face. Quand on vole, il ne faisait rien. On détourne les deniers publics. Ça ne l'intéressait pas. Quand les gens détournaient des milliards, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est son pouvoir. Voyez-vous? Donc c'est son pouvoir. Tant que son pouvoir est protégé, c'est bon. Ils peuvent voler,
peuvent faire tout ça. Mais Tshisekedi, c'est différent. Tu voles, même si tu es un frère à moi, on t'arrête, on te met en prison. C'est la première différence. La deuxième différence, c'est que Tshisekedi n'est pas chef tout puissant. Non. Tshisekedi, on l'a appelé pantin. Placebo. Mouton Kabila, zo conduit. Mouton zo salade. Les robes à robes, les tout puissant. C'est ce qui étonne. Tshisekedi n'est pas tout puissant. Tshisekedi est à l'écoute du peuple. Lélo, tu sais ça là, débat. Nous disons quoi, télémique à la télémique auteur. Akobi Marozon, Anda. Tshisekedi a repris sa ordre dans ma service, ba kangaye, ba kotisaye, ba limousaye. Pas du tout. Et à la calissou, tu es ma gamme là. Oh, ben, enlevez-y, Mitoubé. Est-ce que vous avez un peu ça fait 3 ans que vous avez un peu de parce qu'il y a un démocrate. Est-ce que vous avez un peu ou non? Moi, nous, on a fait tout ça, combien de matin? Moi-même. Moi-même, on a failli faire matin et pas la bisso. Mais ça la 2 semaines. Jamais je n'ai battu place Naza pour la nuit. Parce que j'étais sur King 24, la salle d'émission, Nabima Nakenda. Et j'étais en face de gens, des criminels, des tueurs. Et grâce à Kakayabino, et la lobby, parti Nabisso et lobby, et tout ça, les bazois qui chouattaient Nabima. Mais combien sont morts? Combien Bakoufa? Pour avoir critiqué Kabila. Et bien, donc, c'est ça la différence. Même sur la question de l'Est, l'arme de Croissant, le bas. Non, moi, je n'ai pas dit que Est-Césalie totalement pacifié. Non. Je t'ai dit que tous les villages rebelles, les villages qui étaient au milieu de rebelles, les bastions de rebelles, place Bazo construit ma caserne, Bazo exploité ma minerai. Ça, c'est récupéré. C'est le fardé, c'est on récupéré ça. Critiquer ton moins parce que l'ICAMBO c'est vrai, il y a état de siège, tout le monde a 12e prorogation, tout ça, kokende. Est-ce que les gens qui ça pour ne pas prendre la question électorale, tu es qui cardinal en Bongo, tu es qui Bokombo na SCC, mais finalement, on a l'impression que le régime a tché Bakoto na Matoy. Donc pour la Bino, ceux qui Bokombo a lobby, Chol a lobby, c'est tout, on doit changer. Le pays doit changer son système. Pas du tout. Nous sommes en démocratie. Bokundo à Koloba, Chole à Koloba, Batoupe église des réveils, Polanin Boloba Bangote, Batoua Kimangiste Boloba Bangote Polanin, Basalitus, Bango Bazaba église de, Bango Balobi, Bango Bandimika Bima. Pourquoi vous ne prenez que l'ECC et l'église catholique? Cette question n'existe plus. Ce sont des frustrés. Les politiques, ils vont continuer de faire leur travail. C'est la démocratie. Makambuya, Olobi, 15e prorogation. Mm-hmm. Je sens les gens revenir sur ça. 12e, oui. Qu'est-ce qu'il propose? Tsotokati état de siège. On fait quoi? Pose-leur la question. Sozumut. Ou Azoloba. Est et réussir. T. Tout naïe. Soit qui te supprimer état de siège, tout ça la nuit. Il te dira rien. Il est en face de moi. Il peut vous dire. Soit qui te bénit état de siège, on fait quoi? Il te dira rien. Et puis par rapport, il y a gratuité et enseignement. Mm-hmm. Non, il ne faut pas détourner attention à la population. La gratuité effective, il y a de petits problèmes. Ce sont des douleurs d'enfantement. Chaque débit a toujours posé un problème. On s'est dit, vous avez dit, il y a un protocole d'accord qui a été trouvé entre le bon syndical des enseignants, okay, et le gouvernement. Donc ils ont accepté que c'est la gratuité. L'école maternelle et secondaire, je ne veux pas que les gens mettent des confusions. Il y a une communication qui est orientée dans ce sens. On n'a jamais dit que la maternelle est gratuite. Bah ça concerne. On n'a jamais dit que l'école secondaire est gratuite. C'est l'école primaire qui est gratuite. L'enseignement de base. C'est l'enseignement de base. Merci. Alors, Ndeko, Jeff, est-ce que Tozako foncé, droit Namu, est-ce que c'est déjà l'impasse où on sent qu'il y a un effort Ozako Bimisabiso dans mon Molili ou peut-être que l'ancien régime est Karibisso? Mais non, Ezal Kouta. Les alokuta, ils en ont fort, moi, tes os salama, ou ils ont bimisabiso na mouli linde konangai. Parce que ceux qui baillent fort, ils ont qui? Et ils ont qui se sont tués sur terrain. Y'a bisanga le loyo, bande konabiso a idopes. Bah, prometta ki biso a balobi, biloko kokita.
est-ce que biloko ekiti? Parce que question na ezali mabe na malamu ya régime ya Tshisekedi. Et sengeli ba congolais ba yeba mabe na bango ezali wapi? Mabe na bango ezali sika bazali ko promettre ba ko loba mingi me ba ko salate. Ba promettre nini o ba salite. Ba promettre yo moko uti ko loba. Tokena na likambo gratuité. Ndeko azo ko sa lobi no banque syndicale endimi mais le loso ko keti na ba classe bana bazo ko tanga te. Bana ba tanga te pour ton information de konangai. Bana ba tanga te pourquoi? Parce que gratuité enseignement zo maki na précipitation. Problème ya régime ezalini ba kondimate ke makamba ko sala bazo sala onde bien te peut-être volonté ko zala lokola kabila zakina volonté ko sala 5 chantiers mais et si ba kite ba place mususu esenga ki ba révaluer ngo mais ba ndeko bazakina régime la ndeko ça toujours ndeko na biso Joseph Kabila autorité morale que non ça va c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'UDPS. Quand ça ne marche pas, tous les sabino ça ne marche pas. Bah non, ça marche. Rien ne marche, Neko. Rien ne marche. Ma belle abino zali si ka boko la kale la population le baki ba kosomba carton so so na 10 dollars. Est-ce que ba kosomba ngo? Ba somba ngo te. Est-ce que volonté au chef de l'État zanango? Et quoi qu'on s'est manifesté, même besoin de ta tolo ya volonté au chef de l'État. C'est un démocrate yo kaka. Pourquoi pas koyo yo kaka ke bande ko ba ko le la? Écoute, il faut reconnaître. Il faut reconnaître que sur la question, peut-être communication, et ça les maquis malamouté. Mais vous avez vu, il n'y a pas longtemps, vous avez vu le ministre de l'économie nationale qui a annoncé, voyez bien que cargaison et l'ongo déjà Namibie vers la RDC avec 27 000 tonnes là-bas surgelées. Vous avez dépensé 6 millions de dollars pour la reconnaissance de la surgelée Namibie. Mais c'est la honte. Oh, bateau de pêche. Impact exacté, Ndeko. Ceux qui vous allez qui battu à solo, régime, il y a un pouvoir, il y a solo parti politique à solo. Il fallait vous aller dans la zone à Kolobali Bosoba micro. Pourquoi? Parce que vous êtes un parti socialiste, mais social à peuple athée. Bozaka, vous faites les gars ma promesse. Vous faites les gars, vous faites Nako. Qui n'a wapi? Impact exawapi. Parce que le lot, il y a une différence entre régime à Tshisekedi na Ndeko Kabila sur le plan social. Batumini bazo préféré que tu balles le ils sont retournés au lobby au cas que tu n'attends en Kabila tu zala qui bien mais bano bah yembi ango balobi n'attends moi le coup tu as dit c'est que de comme sous compliqué c'est à dire que les choses ont tellement changé comme une écoute ta mère Neko il faut bon dima que vous avez choué état de siège azo ba que état de siège bande ko va proposer mais nous vous demandons de faire même quand même l'évaluation état de siège bon tiens moi depuis les 3 mai chef de l'État le bien aussi la tête si mon collègue est aussi la mais ceux qui guerre cause à la caca ceux qui guerre cause à la caca même après 10 ans cause à la caca toujours des têtes de siège non on évalue toujours à chaque pas avant prorogation il fallait évaluer ni mito sali ni mito salité et là qu'on est estime est-ce que méthode autorité utilisée à mon moment à éviter est-ce qu'il y a des stratégies il y a mon état aussi nabino tout ce n'est pas évaluer l'état des sièges. Tout ce même pas cesser à voter, mais évaluer au moins l'état des sièges. Est-ce que même pour votre information, il y a même ministre de la Défense, il y a mon réseau 5 ans, on va évaluer l'état des sièges parce qu'ils ont été en précipitation, sans tenir compte de Makamu Mususu. C'est ce que nous vous demandons. Ndeko Donald, est-ce que na horloge na bino ya régime, et comme il a rappelé Bino, pour prendre conscience et alerter Bino et sonner quand même tant comme pour vous dire que toujours qu'il n'a pas de mot comme Abbé. Est-ce qu'il vous arrive que sentiment ou un réflexe ou un la Bino que oui, toujours Kamba, mais on dirait que quelque chose qui ne va pas, moi, signe Moko, alerte Salami. C'est même ça, avantage Nabiso. Tous les régimes, la Tu sais, vous voyez. Régime Nabiso, c'est la différence na Oyabango. Non, on s'évalue. Évaluation, c'est ça les mains à la télévision. Évaluation, il y a du cadre institutionnel. Mais à l'Assemblée nationale. S'il te plaît. L'évaluation, c'est fait. Oui, mais
ndeko asila so osila penza so ya solo o bakina balobaka osila so aujourd'hui na biso bateau de pêche wapi bateau de pêche si miona boko somba bateau de pêche te o Isaac Benduki donc bina de gérer boko pendant 18 ans bosomba ta pirogue de pêche te pirogue de pêche bosomba te aujourd'hui na biso wapi bateau de pêche. Mais vous savez, il y a des courageux dans ce pays. Il y a vraiment des courageux. Vous, Bino, vous savez, 18 ans. Je reviens sur vous. Toujours le bel amaï. Toujours le bel courant. Toujours le bel salaire en fonctionnaire. Toujours le bel social. Bino, vous savez, 18 ans. Est-ce que tu auras le bel amaï? Ceux qui Bino, vous savez, sérieux. Si vous vous étiez sérieux, 18 ans, vous avez l'électricité. Si vous étiez sérieux 18 ans, tu en as maï. Si vous étiez sérieux 18 ans, tu en as peine à est. Si vous étiez sérieux, Batoubaza la Missala. Si vous étiez sérieux, bah fonctionnaire, bah vous foutez. Mais ça, c'est une honte. Aujourd'hui, on veut tout dans la bateau de pêche. Pirogue de pêche, vous êtes au marron. Et puis en plus, monsieur Jean, vous savez, Lélo, je vais t'envoyer, tu es avocat. Va demander aux APJ, aux greffiers. Aujourd'hui, ils ont quel salaire? Ils sont partis de 90 000 francs jusqu'à 658 000 francs. Vous êtes journaliste d'investigation. Moi, je n'avais pas cette info. C'est les APJ eux-mêmes qui m'ont donné cette information. On a un problème dans notre régime. C'est le problème de la communication. On le dit entre nous. On le dit, on le répète. On a un problème de communication. C'est pas tort, c'est sérieux. Nous ne communiquons pas sur ce que nous faisons. Vous nous avez vendu du vent. Moi, puis TGV au Bobanda, là, qui ça, non, et pas, nani, collègue, nabino, journaliste. Moi, puis bah TGV. Moi, puis bah bateau. Moi, puis bah ville au Bobanda, là, qui s'habille sur la maquette. Moi, puis on. Moko et Koko Mabou, moi, puis on. Nous, on n'a pas fait ça. Le président dit ce qu'il fait. Il va faire. Ok? Il ne dit pas des choses comme vous. Donc c'est la réussite d'une promesse. Ce qui est commis, beaucoup en a son pour le Belamote. Lolo, aujourd'hui, c'est un billet d'avion. Est-ce que le Belamote m'a comme avion? Il y a un billet d'avion. Le Belamote, je te suivais. Je te demande. Est-ce que à l'Obélagaro, ils sont en Afrique du Sud, à Komelinga, à l'Obimna, c'est pas tout le monde qui voyage, donc. Voilà le Congolais. Donc, l'Obélagote, c'est pas tout le monde qui voyage. Mais quand on a mis ça, bah, c'est le Bouddha. Billet. Moi, je fais. Kisangani Kinshasa. 300 dollars, billet aller-retour. Je paye. Avec 20 kilos de soute. À quel endroit? Où est-ce que bon le bilan? La gratuité au bas combattre. Il y a 4 millions d'enfants qui sont revenus dans Zela classe. Pour la bilan, tout ça la route. Tout ça la route pour sauver 4 millions d'enfants. Il faut ma parole va continuer que vous donnez le bandeau au foot. Et pour ça, vous êtes prêts à combattre cette gratuité. Merci. Alors, Ndeko, J'avais oublié un truc. Toujours, c'est la barbe à ça, l'évaluation en cas de siège. Donc, non. Merci. Alors, Maître Jeff, marge à progresser à Nini. Tant que ça a tout schématisé à leur réponse, parce que toujours qu'il y a Souka. Celui qui m'a dit, par exemple, en tant qu'opposant, aux nos jeunes, tout le monde a mis dans la marche, il y a un opposant. Et le bac, voici les bonnes décisions au régime Ezui. C'est vrai, tout régime est infaillible. C'est vrai que Moutaza parfait. Mais ce m'a dit, les bonnes décisions. Bien en tant qu'opposition, pour le banni. Au moins, il déjà. Bon, en tout cas, nous avons d'abord comme peuple congolais parmi tant d'autres. Nous avons mon impact de la régime actuel. Okay. Ça, je le dis. Et ça a été pour Nakobo. Maintenant, on a mon impact sur le plan social, sur le plan il y a progrès à Mboka. Il y a régime actuel et il y a Félix Tshisekedi. De quoi c'est là-bas? C'est là. Là-bas, il y a ma chérie. Souffrez que tu aies un système. Alors, tu suis la réponse au moins de l'autre côté. Maître Donald, la seconde, encore développé, il y a un pouvoir.
Il y a le peuple. Le quoi, la peuple? C'est-à-dire, nous, le côté. Alors, il y a un maître en confiance. On va dire, c'est nous, le côté, mais il y a l'accès à l'euro. Démocratie et loi effective. Les gens circulent librement dans leur pays. Oh. Ils ne sont pas arrêtés pour des procès politiques. Mmh. Ils fonctionnent. Ça, c'est un. De deux. Mmh. Aujourd'hui, il y a 4 millions d'enfants qui sont revenus sur le banc de l'école. Aujourd'hui, avant de nous bander à l'État, à nous réfléchir deux fois. À votre époque, nous avons eu un bon salaire. Les évolutions, les évolutions, les évolutions, vous ne citez que ça. Les évolutions, c'est merci. Et qui ma évolution. Alors, il y a le bon moment, le côté d'un thé, aux hommes à réaction, le bas par voilà. D'abord, là, le dit, voilà, à citer ma voix. C'est quelque chose. Voilà, les gens circulent librement. Est-ce que Nathan ou Kabila n'a empêché de circuler librement? Est-ce qu'il y avait des procès politiques ou il y avait seulement des procès purement juridique? Voilà. Parce que moi je dis tant que net neko Dieu minonga là à Violaka, les lopes dans le régime malgré va protéger à Violaka, mais à son temps maintenant le bazar la prison par rapport à procès politique. Donc il y avait des acharnements contre le régime actuel. Ce que moi nous trouvons, mon frère, mais il y avait des cas qui purement juridique, mais on est qu'on attribue un aspect politique. Aujourd'hui, de quoi ça ceux qui ont fait deux mois à l'année. Deux mois à l'année. De quoi ça 4 millions, il y a un bazar à l'école. Mais on nous avait promis avec le projet 100 jours que on va à l'école. Est-ce que l'école, on va tomber à l'école? On va tomber à l'école. On va tomber à l'école. Non, il y a des progrès. Mais c'est du mensonge. Non, avant Moutaï, il faut réfléchir deux fois. Je t'ai dit, il y a un conseiller à la présidence qui a détourné 20 millions. 20 millions de dollars. Il est pas cité son nom. C'est de quoi je parle. C'est de quoi je parle. C'est monsieur Ounatounayo, tout est dans le système de la Bussou. Quelles sont les mauvaises décisions et régime actuel? Oh, le monde qui non. Oh, ils ont signé la faiblesse et un régime il y a 3 ans. Voilà, écoute, ils ont signé la faiblesse. Ils ont signé la dictature. Net, ils ont intégré Kadiman à niveau Assemi. Or, ils devaient d'abord réfléchir deux fois. Le président de la République, après cite ces décisions en toute violation, il y a loi, ils ont régi la confession religieuse. Parce que même si nous allons dans la référence, il y a loi électorale. Oh, le bifoba à la 15, mais le loan a investi 12. Est-ce que c'est logique? Du coup, on a que le président de la République a eu une décision en précipitation. Si c'était même Kabila, je ne pense pas que Kabila allait se précipiter de cette façon-là. Kabila allait peut-être écouter, mais de la même manière, en fonctionnant dans un moment, il y a 5 ans, il y a eu une église catholique, il y a eu une commission qui a pour la macambo élection, il y a 2018. Mais aujourd'hui, chef de l'État a boyé. Aboui Koyoka la partie prenante dans l'élection en 2023. Donc, à une décision, Yemoko a décidé, Nani n'a pas ça là. Décision, nous sommes abé au chef de l'État. Et ça, le roi, décision, il y a, qu'est-ce que je vais aller. On revient et je vous. Kadima, on ne vous pardonnera pas pour la mise en place, il y a la Commission électorale nationale indépendante. Et voilà, en face de vous, nous avons dit sur la vérité que, en tout cas, la décision de Betty Libanda. Voilà. Azoumouka. Makamou le bête libanda. Azuka Akadima. C'est une évolution. Mais ngaï surtout les ngaï magam tambe la tête époque na bango. Dans une minute, na rebete l'eau sa magam. Zana Ebisan. Est-ce que Ebi qui cofondateur de PPRD, l'air de China Sini. Est-ce que vous dans aujourd'hui baké, qui cofondateur de PPRD. Aujourd'hui, normal, conseiller politique, il y a Joseph Kabila. Quand on parle de Kadim, est-ce que vous pouvez dire ce que vous reprochez à Kadim? Bandeko va voter l'électoral. Bandeko non. Et loi sur la scène. Bandeko a perdu. Et tous, ils ont voté la loi. Et ils mettent en place ces mêmes non. Maintenant, il y a qui de qui. Maintenant que nous avons dit que nous avons une politisation à ce niveau. Nous avons voté loi. Tout ça, nous avons une réunion pour répartition de postes au sein de ce niveau.
Regarde, le bazana balamouka, bazo distrait Martin Fayou, l'autre, tout ça, la politisation. Imaginez-vous. Ce qui nous tout. A ça d'abord capable, il y a corrélé votre naïe. Tu vois, donc lui, il ne peut pas parler de Madame Basseni. Alors, est-ce que ce regroupement politique va voter loi et quasiment en place? Donc c'est pour répondre tout de suite. Parti là où il dit que c'est une mauvaise décision, il ment parce que son parti politique, son regroupement politique a voté pour ses bureaux. Merci. Alors, est-ce que vous pensez que Tito Komana 2023, on va dialoguer, femme dans la autour à Mesa, on a besoin des options collectives, des solutions collectives, ou le régime est suffisamment compétent que à foncer une routine à 2023, évidemment, pour vous deuxième mandat. Est-ce que vous pensez qu'on finira toujours par s'asseoir autour d'une table? Ok. Avant de répondre à la question, la décision, moi, ma bé, qui m'a dit que décision chef de l'État, à Zoua qui a accepté, il y a une majorité en pleine mandature. Et ça, sonne pour Nabiso. Et ça, qui sonne humiliation même pour la Congo, comment on a un chef de l'État, a une majorité dans l'Assemblée au moment où il y a élection, et ça, qui déjà, il y a de cela deux ans passés. Donc, c'était vraiment la honte pour nous et l'humiliation. Par rapport à dialogue, nous ne sommes pas partis pour l'autre. Parce que Kadimatika n'a jamais co-participé à l'élection RDC pour ton information. Mais Malonda a participé dans toutes les échéances électorales à Mboka Nabiso. Et de la même manière qu'on avait refusé Malonda, qui est proche de Joseph Kabila, proche du FCC, c'est de cette manière-là qu'on refuse aussi Kadima parce qu'il est proche du pouvoir. Évidemment, il est proche du pouvoir. Bien expliqué. La moralité. Les deux cas, Ezoko Kanate. Ezoko Kanande. Ezoko Kanande. Les deux cas, Ezoko Kana. Et là, on va reprocher Kadima Zani, Azali proche à pouvoir. De la même manière, on va reprocher qui Malonda. C'est le régime actuel. Donc, les lois, il y a des choses qui sont dans l'élection de ceux qui supposent que l'élection est salamine en 2023 avec Kadima. C'est Kadima, on sait exactement que Kadima va programmer, publier, pardon, le résultat de Félix Tshisekedi comme gagnant. Peut-être qu'ils vont voter parce que son bilan est largement négatif. Et donc, on ne va pas dialoguer avec le régime actuel. Ça, je l'ai dit. Nous sommes prêts pour aller aux élections, nous ne sommes pas prêts pour dialoguer. Maintenant, maître, est-ce que besoin a besoin de faire la messe à Mokona FCC, na la Mouka, peut-être société civile, en tout cas une bonne partie pour discuter sur des solutions collectives, ou vous pensez que Boroké n'a pas de routine à Souka et Régime? Tout de suite, nous allons répondre à Ndeko. Peut-être à éviter. Bah, marche, nous sommes heureux. Le soubassement, c'est le dialogue qu'il cherche. Jamais. Et pour vous en convaincre, ce que l'ami Martin Fayoul, mon tour a autorité morale na bango. Azo e bisaro ki to lingi a tapo na une semaine tout solo. Et puis ma dialogue mingi banda. Est-ce ma luga ki ko sa a un mois, ko sa a deux mois, et ta ka une semaine. Ya zo singa ta une semaine tout solo. Tout solo ya ni. Pour l'élection, ils ont sa yema 2023. Tout solo ya ni. Bazana posa. Tout décalé l'élection. Ça je l'ai dit. Tout tia, bayo kana bacteur politique. Bakota na ba institution, bakabola ba fonction, ba organiser CENI, selon leur projet. Ces projets-là, ça veut dire qu'il faut tout le cas 2023 évoluer. Est-ce que c'est important parce que ils ont le banapé na ba couloir, bino besoin na ba poste, besoin na ba fonction, ba mandataire, ba na ba zoya, en respiration financière, les alliés, ça peut vous permettre d'affronter. C'est ce qu'ils lisent. C'est ce qu'ils lisent, mais ce qui est étonnant, c'est que bango ba outil pouvoir calamité, ba to FCC, tout ça, il a bango pour FCC 4. Ba outil coquet méga gassico, ba zoya, ba na ba mbote. Bah la monte à ça l'élection, il faut tout sauver la peau là, bas à ma poste, bas une élection. Oui, il y en a qui ne s'en va pas. C'est la déclaration de Bissot comme une colonie. Il prend Jean-Montounet, il s'en va bon. Dissoc, c'est mon vieux de Lemba. Est-ce qu'il s'en va bon, c'est sérieux?
Il ne vit que des dialogues. Depuis qu'il est politique, il est dialogue, mon gars, vice-ministre. Oh, Azoum, c'est ça. Mais le président a dit cap vers les élections. J'anime ma boule de présidente de l'Assemblée nationale. Je vais me pousser parce que tu es comme la soukha. À ça, la lettre, quand tu as ma boule de président intérimaire, il faut entériner 15 personnes. Mais pourquoi pas entériner ceux qui 13 ou 12 12, pas entériner. C'est ça, non? Oui. Mais ma boule de la liste, quand tu as ma boule de. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez qu'audience plénière et ces gens dans ma boule de la liste, il y a une ordre du jour. Et que c'est en plein Assemblée nationale, il va dire. Bah, quand ici sujet, bah, voter ici. Si. Est-ce que vous voyez? Pourquoi Kafouyage, Bobo Sanama Londa, Azali Soussouti, Yakoya Pété. Merci. Pour se concentrer, je sais. Père Obama, Bazan en haut, Isaac, bah, on peut perdre des FCC. Bah, yébi. Si on part aux élections en 2023, Bazan qui est habitué à contrôler bah, l'élection, Bazan qui est habitué à voler, à tricher. Ils savent qu'ils vont disparaître en 2023. Ils ne veulent pas des élections. Est-ce que le régime les a d'une déconfiance? Est-ce que à convaincre yo suffisamment pour que bon, je crois quand même Romain Pénogé que le monde a regroupement FCC et les Nango, je sais pas moi la union Sakho et qu'on rejoint de Bango. C'est possible, non? Non, c'est pas possible parce que régime actuel les a régime moko ya ya Lukuta, ya mensonge, ya ba promesse moko non réalisée, ba promesse moko yo peuple placé à Lembi, peuple a besoin token d'élection de quoi zolo ba ke FCC soke ke élection en 2018 ba ko perdre de 2023 to ko perdre mais à mon équipe population ba nay ko landa bisoté na marche to salak qui mais je vous dis pourquoi peuple les lozo réclamer Kabila Zonga c'est parce qu'on on s'est dit que Kabila a fait mieux que Tshisekedi. Ben ne comprends pas qu'au Kamaka na 18 ans engana lobelo ko ngota msuna si cette mission. Ndeko tant ba ko maka président de la République, c'est-à-dire ba ko maka ngopo aussi li sa ba passe ya muninga na yo tikaki. C'est pas venir justifier. C'est pas venir nous expliquer. Ya ngota oze la bino na 2023 to sanctionner bino. C'est le peuple. Peuple moni ke bosi bo échoué. Bozaka ba to raison 18 ans Kabila 32 ans Mobutu. To ko aussi ça. Mais vous étiez là pourquoi? Pourquoi mon gars présidence de la République? Ce bon mec est 18 à Kabila Bourgogossi sans voter. Ce bon mec est 8 mois exactement ma casse et l'équipe capacité Nabino. Merci. Il fallait qu'on dise que la même bâtiment sous bas ça là. Il y a un mot 2023, ton PC Bino rendez-vous à sanction. 2023, ton Kende Ango. Ton banque élection, ton FCC banque élection, ton regroupement politique n'a pas besoin de bon côté pour aligner le candidat pour ça la campagne. Parce que toi, on a besoin de bon côté. Toi, on a besoin de répondre à rendez-vous à peuple. Moi, je suis confié, je suis à Yamboka en 2023. Tout ce qui signe la phrase Oyo, le véritable succès ne survient que lorsque nous avons appris à mieux maîtriser l'échec. Merci, le maître Jeff Kanko. Merci, merci. Maître Donald Kabasele à UDPS, maître Jeff Yannogek. Merci également. Je crois que le débat, ils ont continué dans le salon Nabino, partout si Kabozali, dans Mokili Mobimba, ils ont discuté les échecs ou les réussites. Il y a régime, il y a Félix Tshisekedi, déjà 3 ans, il y a Kokende. Alors, Bino Moko, vous remettez cette réponse. Merci pour l'observation Nabino, Tokutani, lobby samedi, 6e numéro, 18h21, diffusion. Au revoir.